Alors moi, je m'occupe des enfants atteints d'épilepsie qui se manifestent souvent par des convulsions et même aussi des fois par un retard intellectuel. Moi, j'ai choisi les enfants parce qu'ils nous redonnent beaucoup, ils ont beaucoup d'affection, ils ont beaucoup d'énergie positive, ils veulent guérir les enfants. L'épilepsie particulièrement parce que j'ai une petite histoire personnelle qui touche ça. Moi, j'ai été impliqué dans un accident d'auto assez important et je me suis toujours demandé comment ça se fait que moi, j'étais pas devenu épileptique puis quelqu'un d'autre était devenu épileptique. Ça m'a toujours fasciné. Tous les jours, moi, je vois des choses différentes et tous les jours, j'apprends quelque chose. Ça, c'est la plus belle source de motivation qu'on puisse avoir, je crois. Alors, Victoria, l'histoire de Victoria, elle est née il y a 13 ans. Dès sa naissance, elle a été transférée à l'hôpital Sainte-Justine parce qu'on avait décelé des anomalies cardiaques. Et de là, on a également décelé des anomalies au niveau du cerveau, neurologiques. Et à partir de ce moment-là, Dr. Carman l'a pris en charge. Serre mes doigts, fort, sans les casser, serre-les. Oui, l'autre côté. À chaque fois que je le rencontre, il est souriant et il a l'air toujours content de me voir. Il prend son temps, puis il n'a pas l'air pressé. Dr. Carman fait une grosse différence quand on vient voir. C'est un médecin qui est très, très présent, qui est très à l'écoute. On en parlait, Victoria et moi, il écoute avec ses oreilles, mais avec ses yeux aussi. Je peux vous dire qu'il établit une relation de confiance extraordinaire avec ses patients, qu'il est dévoué à ses patients, qu'il n'abandonnera jamais, qu'il va toujours chercher à améliorer le sort de son patient. Et ça, nous, on en a des échos parce que, ne voyant pas comment il travaille, je sais par contre, je rencontre ses patients quand ils sont hospitalisés ou si j'ai à communiquer avec eux par téléphone lors des absences du docteur Carman. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est la confiance absolue qu'ont les patients envers le docteur Carman. Docteur Carman a une renommée internationale tant sur le plan clinique que sur le plan de la recherche parce qu'il fait aussi de la recherche au niveau d'un laboratoire de recherche fondamentale. Quand on voit dans des congrès internationaux, puis ça m'est arrivé à quelques reprises d'y aller, il est reconnu et connu, c'est assez fascinant. Il est appelé souvent à être un conférencier invité pour les recherches qu'il entreprend au niveau de son laboratoire, mais aussi dans le domaine clinique. J'ai décidé d'être chercheur suite à un patient que j'ai vu quand j'étais en surspécialisation à Boston. C'était un jeune garçon qui faisait des crises relativement brèves, mais à chaque fois qu'il faisait une crise, il en avait pour des semaines à se remettre. Et en plus, souvent, il perdait des acquis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il était capable de faire, qu'il n'était plus capable de faire après les convulsions. Puis ça m'a poussé à me questionner beaucoup sur les conséquences de l'épilepsie sur le développement du cerveau. Alors depuis les dernières 15 années, on a vu de grands progrès au niveau de la compréhension de l'épilepsie. Premièrement, au niveau des causes de l'épilepsie, on comprend beaucoup mieux avec la génétique, etc. Et dans mon domaine, on comprend mieux les conséquences de l'épilepsie, les mécanismes qui entraînent des dommages. Et ça nous a permis de développer des nouveaux médicaments. D'ailleurs, on a fait une étude à travers le Canada en utilisant un médicament qui s'est développé dans mon laboratoire. Et ça a donné un certain degré de protection chez les enfants qui avaient des épilepsies sévères. Moi, je pense qu'en neurologie, les limites les plus importantes, c'est la compréhension du développement du cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser la recherche sur le développement du cerveau. En chirurgie cardiaque, on a maintenant des bons résultats ici à Sainte-Justine et maintenant on veut améliorer la qualité de vie et de diminuer les complications qu'on peut avoir suite à une chirurgie. Alors la clinique, ça serait d'identifier des enfants qui ont des problèmes cardiaques, les évaluer à différentes étapes au point de vue neurologique et au point de vue développement. On veut les aider justement à trouver les intervenants pour que l'impact du problème cardiaque, l'impact de la chirurgie cardiaque et tout, ça soit vraiment à son minimum, OK? Parce qu'on a intervenu plus tôt et qu'ils sont capables de réussir au point de vue social, au point de vue académique, d'être un citoyen fonctionnel. Alors, ce qui me passionne dans la possibilité de toucher la clinique et la recherche, c'est justement pouvoir combiner les deux.
Moi, je crois que les bonnes questions, c'est celles qui viennent des problèmes de nos patients. Et une fois qu'on a ces questions-là, on peut aller au laboratoire pour essayer d'y répondre. Et une fois qu'on a une solution, on peut retourner au patient pour appliquer les traitements qu'on a développés au laboratoire. Maintenant, c'est une combinaison qui est idéale, mais qui est difficile à faire, en grande raison à cause du temps et du financement. Et c'est pour ça que des fondations comme Garnier Kids nous permettent de faire des projets tout à fait innovateurs et qui vont faire, selon moi, une grande différence. Ça fait longtemps qu'on rêve d'une clinique comme celle-là. Et puis, le partenariat avec Dr. Karma, c'était un partenariat qui était tout à fait naturel. C'est un grand médecin, c'est un bon clinicien, c'est un bon professeur ici à Sainte-Justine. Il a une réputation internationale. Et puis, c'est un team player. Dr. Karma, en plus d'être un excellent scientifique, un bon clinicien, c'est également quelqu'un de très impliqué socialement sur différents niveaux. D'abord, au niveau des organismes communautaires, il est très impliqué auprès des associations d'épilepsie de la région de Montréal et du Québec. On pense par exemple à la clinique d'épilepsie qu'il a mis sur pied en Haïti suite au tremblement de terre. Il avait déjà eu des contacts avec Haïti. Il est haïtien, il est très sensible aux difficultés de son pays, mais il a mis, après le tremblement de terre, sur pied une clinique où il a formé les médecins, formé les techniciens, trouvé du matériel. Ça, c'est une implication énorme. En parallèle, il est un fan de soccer, puis il est entraîneur de soccer par-dessus tout ça. Fait que c'est une implication sociale. Il est dans tous les domaines. C'est fascinant tout ce qu'il peut faire. Ce que j'aime beaucoup du Dr. Karma également, c'est qu'il s'intéresse, il s'implique beaucoup. En fait, pas juste, naturellement, il y a le côté médical qui est très important, et on est ici pour ça, mais il va aller au-delà, il va s'informer, Victoria, comment ça va dans sa vie, avec ses amis, à l'école aussi. C'est au-delà du médical, puis je pense qu'il y a beaucoup de bonnes informations à aller chercher là aussi. Lorsque, justement, Victoria lui avait dit qu'il était accepté au collège, au secondaire, parce que les pronostics au début étaient, lorsqu'elle est née avec toutes ces anomalies, c'était pas tellement beau. Alors de voir qu'elle avait franchi l'élémentaire, le secondaire, mais qu'elle avait passé les examens d'admission pour entrer au secondaire, de voir sa réaction, j'étais tellement contente. C'est beau. Et puis Dr. Karma, il a toujours cru. Je pense qu'on est capable de sauver les vies maintenant. Maintenant, il faut s'assurer que les vies qu'on sauve soient des vies productives et que tous les enfants puissent grandir et se développer en harmonie.